racine carrée de 3, 6. Vous suivez là, hein, vous êtes avec moi. Ça fait un peu beaucoup là. Hein. Bon, alors, je reprends. Hein, vous suivez. Ok. Racine carrée de 3 plus X. Oh, y a pas un chiffre de 3 là? Je sais plus là, c'est. On peut mettre des virgules dans les racines? Tac tac tac. Oui. Oui. Maître Judas, est-ce que vous avez envie de me voir? Parce que j'ai pas retrouvé. Vous l'avez donné hier soir. Vous avez du temps de regarder? Je regarde dans mon cartable, j'étais en train de moi-même suivre mes cours. Mais asseyez-vous, asseyez-vous. Parce que je suis le professeur. Bienvenue. On sera pas trop de 3 pour résoudre cette équation. Vous savez, alors. Oui. Je reprends. Écoutez bien, hein, mon petit Bertrand, écoutez bien. Racine carrée de 3 plus x égale. À vous, c'est à vous là. J'ai un rendez-vous. Maître Judas, vous pourrez me rendre mon devoir plus tard. Oh non! Mais si! Attendez! Au revoir! Bonne journée! On peut avancer, s'il vous plaît, professeur? Après des jours de cours, Maître Judas et professeur Cortez arrivaient enfin à la solution. Alors, vous voyez, maintenant, nous y sommes. 122,5! Exactement, vous avez trouvé, mais vous êtes génial. En fait, j'ai un copain qui m'a envoyé la solution. Céline. Oui, rentre. J'arriverai pas à expliquer ce que tu m'as dit dans le téléphone. Tu peux voir avec le professeur. Oh la vache, tu me laisses tomber comme ça. Je vais aux toilettes, professeur. Bah en fait c'est très simple. Êtes-vous le petit génie qui a trouvé le résultat? Ouais, vous connaissez Google? Google, tu tapes dedans, tu te mets racine de 122 et ça donne... Mais voilà!